Bonjour et bienvenue dans l'informatique c'est magique, l'émission où des fois je te tutoie et des fois je vous vois. Et ça y est, c'est le moment, tu vas enfin savoir comment faire un site web. Que ce soit pour parler de ton boys band préféré, de ton chat cracotte ou bien de ton fétiche sexuel, tu vas pouvoir faire des pages web pour partager cette passion qui t'anime, qui brûle en toi, qui font que tes tétons sont tout bizarres. Mais juste avant, faut qu'on fasse un petit peu de théorie. Et oui, parce que pour faire des pages web, il faut que tu connaisses le HTML. Autrement dit, le Hypertext Markup Language. Le HTML fut inventé en 1938 par quatre amis, Henri, Terence, Michel et Laurent, dans un labo clandestin au plein cœur du Gers. Du sucre, des épices et plein de bonnes choses, tels étaient les ingrédients choisis pour créer ce langage web parfait. Mais accidentellement, Terence y ajouta l'agent chimique X. C'est ainsi que naquit le HTML, doté de super pouvoirs. En réalité, c'est un mec, Tim Berners-Lee, qui bossait au CNRS, et en 1980, il a proposé à ses collègues un ancêtre du HTML pour pouvoir s'échanger facilement des fichiers via le web. Et puis, de fil en anguille sous roche, c'est devenu le HTML d'aujourd'hui. La courbe d'apprentissage du HTML, inventée en 1765 par les docteurs Courbe d'apprenti et SageTML, est une courbe... Non, je déconne. Laisse-moi faire. Bonjour. Je vais te montrer de comment est-ce qu'il est facile d'apprendre le HTML grâce à la courbe d'apprentissage du HTML. Cette courbe montre en ordonnée ton niveau en allant de très nul mauvais à très bon dieu du web. Et sur l'autre axe des ordonnées, parce qu'il y en a deux, on voit le temps passé. Là, c'est toi il y a 2 minutes et tout là-bas, c'est toi dans 10 minutes. Et si on regarde la progression de la courbe, on peut constater que elle monte et hop là. Quand tu te fais un sandwich chez toi, tu chopes 2 tranches de pain de mie et dedans tu cales, selon tes préférences, la confiture, ta patate tartinée noisette. On peut dire les marques, du Nutella, du beurre de cacahuète, du wasabi ou tout autre genre de guacamole. Attends, le mec il est en train de me parler de sandwich, je comprends pas. Il me parle de sandwich. Oui, un sandwich, parce que le HTML c'est pareil. Sauf que en HTML, un sandwich ça s'appelle un élément. Voilà, c'est difficile de faire plus générique comme nom. Et ton élément est composé d'une balise ouvrante, d'une balise fermante et de contenu à l'intérieur. Bon, alors comment ça s'écrit? Bon, la balise ouvrante c'est simple, c'est un nom entre 2 crochets. La balise fermante c'est pas guère plus compliqué, c'est la même chose sauf qu'on rajoute un slash dedans. Et à l'intérieur, on met ce qu'on veut. Parlons du pain de mie, il existe de toutes sortes, il y a le blanc, le complet, le aux céréales, avec ou sans croûte. Et ben HTML, pour définir ton pain, tu vas utiliser des attributs. Les attributs, ça se place juste après le nom de ton élément dans ta balise ouvrante. Et ça s'écrit attribut égale, entre guillemets, la valeur de l'attribut. Seulement voilà, si t'es comme moi, des fois t'as plus rien à mettre entre les 2 tranches de ton pain de mie. Et alors là tu rages parce que putain je vais me faire un sandwich là. Alors comme un con, tu manges ton pain de mie tout seul. Et puis ça sert à rien de les manger 2 par 2 si t'as rien entre les deux. Donc tu manges 1 tranche à la fois. Et ben HTML c'est pareil, si t'as rien à mettre entre tes 2 balises, et ben t'en mets qu'une seule et tu la finis avec un slash. Mais le HTML te permet de faire des choses que tu peux pas faire dans la vraie vie avec des sandwichs. C'est-à-dire les mettre les uns dans les autres. Enfin si tu peux, mais bon... Tiens, regarde ce bout de HTML et essaie d'en faire un sandwich. Si tu réussis, tu m'envoies une photo parce que franchement je veux voir ça. Donc on a 2 tranches de pain de mie maxi avec chacune de la confiture dessus. Et au milieu, 2 autres tranches de pain complet. Celle du dessus a du beurre de cacahuète et celle du dessous du Nutella. Et puis entre les deux, bah on a 1 dernière tranche. Bon bah voilà, niveau théorique, c'est tout ce qu'il y a à voir sur le HTML. Maintenant, on va passer à la pratique. Et pour être partial dans mon tutoriel, je vais sortir de ce chapeau sur quel système d'exploitation je vais travailler. Et bah je travaille sous Linux. Linux, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé sous Linux. J'ai lancé ma machine virtuelle Vagrant avec Vagrant Up, comme on a vu juste avant.
Et c'est parti. Je vais là en total impro faire un site web en expliquant ce que je fais. Alors premièrement, tac, ici on va ouvrir ça. Ensuite j'ouvre un éditeur de texte ici, moi je dis Sublime. Et je vais ouvrir le dossier www qui est dans mon dossier dinosaure. Donc il n'y a rien dedans. Vous verrez peut-être quelque chose dedans, il faut tout enlever. Mais je vais tout d'abord créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Il faut que ce soit un .html, hein, parce qu'on fait du HTML. Premier truc à mettre tout en haut de la page, je l'explique pas. Même moi, je sais pas exactement ce que ça fait. Faut mettre ceci. Donc, chevron, exclamation, doctype tout en majuscule et HTML. Premier élément à utiliser en HTML, l'élément HTML. Donc cet élément HTML, il va un peu englober tout le truc. Hein. C'est comme foutre le bout de papier autour du cheeseburger pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et dans cet élément, on va mettre deux autres éléments. L'élément head et l'élément body. Dans l'élément body, il va y avoir tout ce qui sera affiché dans la page web. Et dans l'élément head, il va y avoir des informations qui ne seront pas affichées directement dans la page web, mais qui servent au navigateur. Et la première information qui peut servir au navigateur et qui est plutôt cool, c'est le titre du site web à mettre dans l'onglet. Pour ça, on utilise l'élément title. Comme titre en anglais, hein, faut pas non plus déconner. Et moi, mon site, hein, je lance direct. Il va s'appeler Dinosaur. Direct, Dinosaur. Je sauvegarde cette page. Donc là, pour l'instant, on ne va rien avoir qui va s'afficher dans la page. Pour les vérifier, on utilise la même adresse, ça n'a pas changé. Donc je vais sur 192.168.0.17, qui est l'adresse de la machine virtuelle, hein, ça n'a pas changé. Et il n'y a rien dedans, c'est normal. Hein. Par contre, on voit bien que le titre de l'onglet, c'est Dinosaur. Deuxième truc qui peut être cool, c'est de mettre une petite icône ici à la place de cette icône de fichier qui s'appelle la favicon. Je vais chercher un dinosaure, un dessin de dinosaure, et je vais récupérer la tête, tiens. Cela me paraît bien. Donc, ça s'appelle favicon, parce que c'est l'icône des favoris. Ils vont pas chercher loin. Donc 64 par 64. Voilà. Maintenant, je vais l'enregistrer dans un dossier, un nouveau dossier. Je vais l'appeler favicon. C'est pas important, mais c'est bien pour l'organisation. Et je le mets ici. Et il s'appelle favicon.png. Donc, si je retourne ici, je vais pouvoir mettre un deuxième élément dans mon head, l'élément link. Avec rien dedans, donc je m'installe à la fin. Et ensuite, je vais utiliser deux attributs. Le premier, c'est rel, qui doit vouloir dire un truc du genre relative, j'en sais rien. Et il faut lui dire que c'est une icône. Et le deuxième, c'est href, qui veut sûrement vouloir dire hypertexte référence ou une connerie dans le genre. Et je lui dis que mon icône se trouve dans le dossier favicon. Slash favicon. C'est le fichier favicon.png. Je sauvegarde et si je rafraîchis, tiens, est-ce que j'ai écrit favicon comme un abruti? Donc si je rafraîchis ici, je vois ma tête de dinosaure qui est apparue. Je suis trop content de ma tête de dinosaure, ça rend super bien je trouve. Bon, on va commencer à mettre quelque chose dans le corps de notre page. Premier truc qu'on va mettre, c'est un gros titre avec marqué dinosaure ou le site des dinosaures ou je sais pas quoi. Pour faire des titres en HTML, on utilise les éléments heading qui s'écrivent comme ça. Donc, le premier élément, c'est H1, qui veut dire heading 1. Et ce sont des titres. Et le chiffre après va indiquer l'importance du titre. Donc H1, c'est le titre le plus important. Il me semble que ça va jusqu'à H6, l'élément le moins important. Donc, si je mets un titre que je l'appelle les dinosaures, je sauvegarde. Et si j'actualise ma page, je vois un titre avec marqué les dinosaures apparaître. C'est pas mal. Pour vous montrer les autres titres, je vais faire un deuxième élément qui sera H3 cette fois, donc ça va être deux niveaux d'importance en dessous, donc il va être un peu plus petit. Et je vais marquer par exemple, ils sont... Voilà. Hop. Et j'actualise, je vois mon petit titre, ils sont cool.
cette page index, je vais en mettre aussi un petit texte. Et pour afficher ce texte, je vais mettre ça dans un paragraphe. Et l'élément, c'est P, comme paragraphe. Ça ne veut pas dire ça veut dire paragraphe. Et à l'intérieur, je vais mettre mon texte qui va être ma passion pour les dinosaures. Je sais pas écrire. M'a poussé à créer ce site web 2.0. Je sais pas pourquoi. Et j'ai marqué bon voyage. Smiley. Si j'actualise, je vois mon petit texte qui est apparu. Premier lien, ça va être le lien vers la page elle-même. Parce que là, je vais faire un genre de petit, petite liste de navigation pour se déplacer dans les différentes pages. Donc, pour faire un lien, on utilise l'élément A. Ah ! À l'intérieur, on met le nom qu'on veut qu'il s'affiche. Le nom qu'on veut qu'il s'affiche, ça ne doit même pas être français, ça. Et on utilise l'attribut href pour lui dire où est-ce qu'on veut être redirigé quand on clique dessus. Et moi, je vais être redirigé vers index.html. Donc là, j'ai un lien. Si je clique dessus, je suis redirigé vers ma page index.html qui est exactement la même. Je vais mettre tout ça dans une liste. Donc on va faire une liste en HTML. On commence avec un élément UL qui veut dire unnumbered list. Donc une liste qui n'a pas de numéro parce qu'il existe aussi la version avec des numéros. Moi, je veux pas de numéro. Et chaque élément de la liste sera dans un élément LI qui veut dire list item. Et je vais mettre mon lien en premier élément de cette liste. Donc on voit qu'il a mis sous forme de liste avec un petit point là. Il a mis un petit point. Et donc je vais faire aussi des liens vers mes autres pages. Donc première page, ce sera photo, les photos. On met des photos de dinosaures. Pourquoi pas. Ma page s'appelle photo. Et je vais mettre plein d'autres liens, pareil. Et donc, si je regarde, je vois que j'ai des liens. Si je clique dessus, ça mène vers nulle part, hein, parce que les fichiers n'existent pas, mais ça va venir. Donc là, j'ai mon petit, ma petite page de ma petite liste de navigation. Je vais créer un nouveau fichier, hop, que j'appelle photo.html, puisque c'est comme ça que je l'ai appelé. Ici, je vais prendre tout ce qu'il y a ici et je vais le mettre ici. Donc en gros, un gros copier de la, page. Donc maintenant, j'ai juste à changer ce que je veux qu'il change sur cette page-là. Donc le sous-titre, il va changer. Ça va être les photos. Et je veux pas de texte de description ici, mais je vais plutôt mettre des images. Alors, pour mettre une image en HTML, on utilise la balise img. Et si on n'est pas trop con, on peut comprendre que img, ça veut dire image. Il n'y aura rien du tout dans cet élément-là, donc on met une balise simple, et on va utiliser l'attribut href pour dire où aller trouver l'image qu'on veut afficher. Et ben moi, je vais aller chercher sur Internet. Je cherche dinosaure, et puis je voudrais un dinosaure content. Hein, le dinosaure poulet. Parfait. Je prends l'image, enfin, je copie le lien, et je le mets directement dans href, ici. Si je retourne sur mon site, j'actualise, ma page index est toujours la même. Par contre, si je vais sur la page photo, la page est bien là, et normalement, il est censé y avoir l'image du dinosaure. C'est pas href, c'est src. Voilà, ma magnifique image de dinosaure. Je voudrais qu'elle soit pas aussi grande, donc j'utilise l'attribut width. Width. Qui veut dire largeur en anglais, et je veux dire qu'il dépassera pas les 400 pixels. Ce sera exactement 400 pixels. Bon, si j'actualise, voilà, on va rester à 400 pixels. Je peux pas mesurer là, j'ai pas de règle en pixels, mais croyez-moi, ça fait 400 pixels. Si les gens visitent mon, si des gens importants dans le milieu du dinosaure visitent mon site et que ils le trouvent intéressant, ça peut m'apporter plein de trucs. Ça peut m'apporter la richesse. Ça peut peut-être même m'apporter des dinosaures, qui sait. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ce que j'avais au-dessus, je l'ai mis juste en dessous. J'ai changé où est-ce qu'on trouve l'image, et je vais changer le texte. Je vais marquer « Ce dinosaure est mort, virgule, c'est triste. »
Smile est triste. Voilà, ma page photo commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va s'occuper de la page lien. Nouveau fichier, on l'enregistre. Lien.html. Je vais reprendre ma page index, copier, coller, hein, comme un sagouin. Je vais changer le titre. Ce sera les liens. Et là, je vais mettre des liens. Donc, comme j'ai fait ici là pour rediriger vers d'autres pages, je vais utiliser l'élément A avec un href vers un lien. Premier lien, je voudrais aller sur la page Wikipédia des dinosaures. Donc, là, on va marquer Wikipédia. Et deux têtes, http://fr. Oui, c'est bon, on sait que tu fais des travaux. Je t'ai montré un dinosaure que je connais par cœur l'URL de la page Wikipédia, c'est pour dire. Si je vais sur ma page lien, hop, ma page est là, mon lien est là, je clique sur Wikipédia, je suis redirigé vers la page Wikipédia des dinosaures. Problème ! Il est resté dans le même onglet et il m'a sorti mon site. Moi, je voudrais pas ça. Je voudrais qu'il ouvre vers un nouvel onglet. Donc pour ça, on utilise l'attribut target qui va indiquer la cible de l'ouverture de ce truc-là. Et dedans, pour un nouvel onglet, c'est underscore blank. Et pas 8 blank, underscore blank. Je sais pas ce que ça veut dire, underscore blank, on s'en fout. Et là, si je clique sur le lien Wikipédia, hop! C'était subtil, hein. Ça allait très vite. On va faire un ralenti. Voilà, il est ouvert dans un nouvel onglet. Très rapidement, on en a un deuxième. Hein. On va mettre vers le site. Il y a un film qui est sorti, Dinosaure, qui est dans les années 2000. Je vais récupérer le lien de la page Allociné. Voilà, celui-là. Je récupère le lien. Je le mets à la place ici, hop. Et maintenant, sur ma page lien, j'ai Wikipédia et Dinosaure le film. Si je clique dessus, je vais bien sur la page Allociné. Alors là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que on va pouvoir jouer de la musique, jouer le cri d'un dinosaure. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte du truc que c'est ? Nouveau fichier, sound.html. Pareil que d'hab, je copie le index, je le colle ici. Si je copie l'index à chaque fois, c'est pour récupérer toute cette partie-là, puis toute l'entête et ça, pour éviter d'avoir à le retaper, c'est chiant. Et là, j'ai juste à changer, je mets l'écrit, voilà, et là, on met pas de texte. Pour le cri, il faut un fichier MP3, je pense qu'il y a pratiquement tous les navigateurs qui le prennent en compte. Moi, j'ai préparé un petit fichier ici, donc -x.mp3. Donc dans mon dossier www, je fais un nouveau dossier que je vais appeler sounds. Encore une fois, on s'en fout, hein, c'est juste pour l'organisation. Et je mets mon fichier -x.mp3. Maintenant, je vais pouvoir utiliser l'élément audio. Je lui mets un attribut qui n'a pas de valeur. Je lui mets controls, qui va indiquer au navigateur, affiche-moi le petit bouton play et pause. Comme ça, on peut avoir le contrôle dessus. Et à l'intérieur, je mets une source. Il faut lui dire où trouver ce truc-là, donc je lui mets src. Ce sera dans le dossier audio et -x.mp3. Et il faut lui indiquer aussi le type de fichier. Et ce type de fichier, c'est audio/mp3. Et ça, c'est pas mal. J'actualise. Et si je vais sur ma page cri maintenant, oh, petit problème. Eh oui, c'est pas dans le dossier audio, c'est dans le dossier sounds. J'actualise. Et voilà. Là, il voit qu'il a chargé le fichier. Si je fais play. Voilà. Ah, moi, je trouve ça super. Je trouve ça super. Eh ben, c'est à peu près tout ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Alors, il est moche, hein, ce site. Hein. Mais on peut quand même aller dans index, photo, on peut aller voir les liens, on peut écouter le cri d'un dinosaure. Ce qui est quand même... assez cool. Bon, bah, c'est à peu près tout ce que je vais te montrer pour aujourd'hui. De toute façon, le HTML, il n'y a pas grand chose à savoir de plus. Hein. C'est toujours un élément composé d'une balise ouvrante,
d'un contenu et d'une balise fermante. Après, il suffit juste de se renseigner, de connaître les éléments et ce qu'ils font, et de mettre ça dans la page. Et puis, de toute façon, ce qui marche le mieux, c'est d'essayer. Bon, ton site, il est moche, on est d'accord. Mais tu peux déjà le remplir d'informations complètement inutiles comme la date de naissance de Zac Efron, ou bien combien de 33-10 tu peux te caler dans le cul. Le gros avantage, c'est que si jamais tu vas voir tes parents en leur disant « Hey, papa, maman, regardez ce que j'ai fait !» Eh ben, ils vont avoir vachement plus de mal à l'accrocher sur le frigo de la honte avec tous tes dessins moches de quand t'étais petit. Et puis si tu veux quand même que ton site soit beau, eh ben, rendez-toi dans 10 ans. Même jour, même heure, même porte. On se reverra quand on aura perdu toutes nos dents. Ah oui, et puis un petit dernier truc, je voulais remercier Edouard, parce que je suis passé dans son surplus numéro 6, et franchement, c'est un honneur pour moi, un petit créateur qui débute. Et puis bah... Ça fait plaisir. Et puis surtout, je voulais remercier Jordi. La relation qu'on a avec Jordi, c'est une bromance. C'est une bromance qu'on peut retrouver entre James Franco et Seth Rogen, entre Jonah Hill et Channing Tatum. C'est avec Jordi que j'ai fait mes premières vidéos. Et puis aujourd'hui, chacun de notre côté de la France, on continue à faire nos trucs de nos côtés. D'ailleurs, vous pouvez voir sa chaîne, c'est vraiment super. Peace. Et puis que le binaire soit avec vous. De la truite aux silures, les poissons sont numériques. Mais les sensations sont bien réelles.